Bon les amis, on se retrouve, je viens de trouver la solution, ce qu'il faut faire. Donc on va aller avec cette dadame. Voilà. D'accord, j'ai compris le principe qu'il faut faire. Voilà, c'est ici. Vous appuyez sur B en spammant. Non, pas en spammant, il faut pas toucher en fait. Ça va permettre de déboucher le passage. Et voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh, tu m'as l'air de bien t'entendre avec ton taureau, ma foi. Il fait peur, lui. Oh, j'y vais. Ah, mais toutes mes excuses. Je me suis pas présenté. Je m'appelle l'énigmatique. Voilà. J'ai un cadeau parfait pour les jeunes comme toi qui réduisent les rochers en poussière. Trois poussières d'étoiles. Ah, ok. Très bien. Pour l'envoi, demander au professeur Fort pour son Pokémon. Ah, oui, j'ai bien compris, en fait. En fait, si vous voulez, c'est ce qu'il va vous mettre. C'est comme le Pokéien pour Pokémon Rosa. Les objets que vous obtenez dans la démo, vous pouvez les envoyer sur votre exemplaire de cartouche. Avec la poussière d'étoiles de l'ennemi, tout le monde devient plus joli. Sur ce, je m'éclipse. N'essaie pas de retrouver l'énigmatique, c'est un conseil. Voilà un mystère qui nous ouvre les yeux. Mystère. D'accord, j'ai pu sauvegarder, c'est parfait. Oh, ils ont moins des en taureau, ça ira plus vite. Oui, on y retourne. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Mais c'est pas mal si on peut utiliser des montures autant qu'on veut. Allez, on retourne là-bas. J'ai trouvé la solution. Oui, on y va. C'est parti. Ouais, ça m'intéresse. Ah, je connais la fougue de la jeunesse. Les règles sont simples. Tu dois capturer un maximum de Pokémon avec un nombre illimité de Pokéball. Tu pourras mettre les Pokémon que tu auras attrapés dans ton équipe. Ils te seront utiles pour en capturer d'autres. À propos, pendant le défi de capture, il est impossible de quitter cet endroit. Quant aux ton Pokémon capturés, tu serais gentil de les relâcher dans les hautes herbes. À la fin du défi. Quand tu seras à court de Pokéball ou que tu voudras bien simplement quitter le défi, viens donc me voir sur ce. Veux-tu donc participer au défi de capture? Évidemment. Tu m'envoies ravi. Voici les Pokéball dont tu as besoin. Nickel. Vous recevez des Pokéballs. J'en sais combien? Ok, il dit même pas le nombre. C'est Forbes qui est là-bas, non? Ah ouais, en effet. Yo man! Alors comme ça, tu tentes le défi de capture? C'est cool les captures de Pokémon sauvages. C'est la base que tout dresseur doit maîtriser. Je vais te faire une petite démo spéciale. Vive l'artiste! Alors. Comme si je ne savais pas capturer un Pokémon, MDR. Oui, on connaît les bases quand même. Mais c'est bien de le rappeler aux gens qui débutent. Les Pokémon sauvages ont tendance à attaquer les gens qui s'égarent dans les hautes herbes. Mais une fois que tu les as attrapés, ils deviennent de fidèles compagnons. Bon, assez bavardé, maintenant c'est à toi de montrer de quoi tu es capable.
Allez, on va capturer des Pokémon, on a que ça à faire. Montre-moi comment tu lances les Pokéballs, c'est parti mon kiki. Allez, hop. Voilà, Picasso. Bon, c'est compliqué de les capturer. On va faire Aéropic. Ah mais si je les one shot, ça va pas aller hein. Il est trop fort. Bon, on va devoir les capturer sans les taper. Non mais je sais pas les tuer quand même. Pokéball. Et 2-1. Continuons. Et 2-1, bravo, continue comme ça, petit gars. Bon, allez. Bon, encore un mouton, bon tant pis, on capture tout. Hein. Je pense qu'il va tenir une aérobique. Ah, il tient. Merveilleux. Donc, on va pouvoir le choper. Pokéball, voilà. Magnifique. Bon, je vais arrêter à 12 minutes de vidéo cette fois-ci parce que je pense que le défi va être assez long. J'ai perdu du temps sur la précédente vidéo donc je suis vraiment désolé. Si ça ne vous plaît pas, bah je suis vraiment désolé, mais j'ai eu des problèmes. Je trouvais pas en vrai la solution ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Mince. Je devrais le taper un coup, mais il va fuir quoi. Eh non mais. C'est pas cool ça. Il me touche 5 fois en plus, vous avez vu? Bon, j'ai qu'une seule Super Ball. Bon, voilà. On attrape le Picasso au calme. Tout pas trop mal, je suis fier de toi. Ok gros. Picasso sauvage apparaît. Bon, encore un Picasso, on va l'attraper je pense. On va aller faire aéropic. Nickel. Ultrason, d'accord. C'est pas un problème parce que j'attaque plus. D'accord, allez, hop, on le capture. Voilà. De toute façon, une fois que le Pokémon est dans le rouge, quoi, en fin de vie, bah, il se capture automatiquement. Hormis les légendaires, hein.
Vous ne pensez pas que un légendaire, même s'il est dans le rouge, il est plus dur à capturer qu'un Pokémon ordinaire. Mais après, ça dépend de taux de capture. Ah, un Rocabo. Tiens, j'en voulais un. C'est parfait. On va lancer une Pokéball. Non. Il va pas rentrer comme ça, je pense qu'il faut que je le tape. On va lui faire. Je pense qu'il va tenir mon tranche-mi quand même. Ah non, pas du tout. Et là même si je suis un peu petit, ça va pas aller. Hein. Et merde. Bon bah, tant pis, hein. pas de Rocabo. On va faire Aéropic. J'étais pas loin de le tuer quand même. La Pokéball. Bon, je suis à 11 minutes 39 de vidéo, donc on devrait bientôt arrêter. Du coup, je finirai cet épisode de capture sans vidéo. C'est juste pour vous faire montrer. Bon, faut continuer. Bon, les gens, je vais vous laisser là. C'est là que la vidéo s'arrête. Je vous dis à la suite de Pokémon Soleil et Lune parce que je vais finir l'épisode de capture sans vous. Je vous dis à la prochaine fois. Bye.